Bien, toute l'équipe est là autour de la table. Des petits bonjours, Charles, vous en avez ? J'en ai beaucoup. On va d'abord, tiens, saluer Pascal, qui est chauffeur poids lourd. Il est en Aquitaine, déjà plus de 22 degrés, nous écrit Pascal ce matin en Aquitaine. 22 degrés à 6h17, ça annonce une très chaude journée. Oui, à qui avez-vous envie de dire bonjour ce matin ? Vous nous dites à Bordeaux, il y a des ordures ménagères partout, paraît-il. Hein. Ça fait une semaine que les éboueurs sont en grève. Vous êtes à Bordeaux, allez-y, 3216rmc.fr. Pour dénoncer l'achat de drogue sur Internet, Bernard Debré en a acheté. De la cocaïne. Oui, député Les Républicains, mais aussi médecin de formation, donc très sensible à ce sujet. Écoutez ce qu'il dit, c'est très simple. Vous allez sur Internet et ensuite, voilà comment ça se passe. On va cliquer sur un site aux Pays-Bas et on va commander de la drogue. Mais on paye avec la carte bleue. Et puis ça arrive par la poste avec un timbre hollandais. On reçoit ça. Alors c'est très intéressant parce que c'est un papier Kraft, bien sûr, une enveloppe Kraft. À l'intérieur, il y a deux enveloppes en plastique pour éviter l'odeur et les chiens nifleurs. Et on reçoit ça tranquillement. Voilà comment Bernard Debré s'est fait livrer de la drogue jusque dans son bureau de l'Assemblée nationale. Et il dit que ce n'est pas tout. Sur Internet, vous trouvez aussi des kalachnikovs, du TNT, des faux billets, des organes à greffer. Vous avez plus de 36 000 sites de cocaïne. Il demande une mission parlementaire sur ce sujet. Mais Charles, oui, ça vous fait réagir, ça. On en trouve aussi dans la vraie vie, dans la rue. Oui, c'est ça. C'est pas la peine d'aller sur Internet. Pas Internet qui a inventé la cocaïne. L'image du senior, totalement dépassée par les nouvelles technologies, ne reflète pas du tout la réalité. Charles, plus du tout, mais non, on peut avoir plus de 65 ans et se connecter sur Snapchat, Twitter, envoyer des emojis à ses petits-enfants. Snapchat, je ne sais même pas ce que c'est. Oh, Jean-Jacques. C'est une photo éphémère que vous envoyez. Ah bon, d'accord. Du coup, ça peut être une photo éphémère. Ça peut être une photo suggestive. Ah bon, oui, de quoi ? Elle s'efface. Bon, les plus de 65 ans ne passent pas leur temps non plus sur Snapchat. Ouais. Plus de la moitié des seniors se connectent au moins une fois par jour à Internet. Bon, d'abord pour gérer le compte en banque, pour garder le contact avec la famille. Ils sont en revanche très méfiants en ce qui concerne l'achat en ligne. Un senior sur 10 fait des courses sur Internet. Bien, Barthélémy Bollo. Le patronat demande le report de la mise en place du compte pénibilité. Il y a 6 critères qui doivent rentrer en vigueur. À partir du 1er juillet, c'est 3 millions de personnes qui sont potentiellement concernées. Et en fait, le patronat explique que c'est pratiquement inapplicable. Par exemple, je vous donne un exemple dans le bâtiment, un carreleur peut être amené à travailler à proximité d'un maçon qui utilise un marteau-piqueur. Le carreleur, lui, il a la pénibilité posture pénible. Le marteau-piqueur, c'est aussi le bruit, mais ce n'est pas le travail premier du carreleur. Donc, dans la mise en application de ce compte pénibilité, il faut cartographier tous les postes. Et c'est cette cartographie qui est extrêmement compliquée et que dénonce le patronat. Oui, c'est un peu compliqué, il faut dire, ce compte pénibilité. On en reparlera, évidemment. Il est 6h20, bien, 6h20, c'est bientôt les vacances scolaires. Pour les enseignants, l'heure de remplir les livrets. Une institutrice en a fait une chanson. Barthélémy. Et oui, cette fameuse corvée des livrets. Tout le monde connaît la chanson de la Reine des Neiges, ce film de Disney. Eh bien, Cécile Mouret, une enseignante de primaire, a fait une parodie. Je vous propose de l'écouter. Tout terminé, libéré, délivré, il n'y a qu'à les signer. J'ai laissé mes soirées de côté. Jean-Jacques, en tout cas, c'est qu'elle chante déjà très bien, oui, parce que c'est quand même pas facile de tenir la note. La vidéo, elle cartonne depuis une semaine. Elle a été vue plus d'1,3 million de fois. Et puis, autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que moi, personnellement, j'aimerais bien l'avoir comme maîtresse, cette Cécile Mouret. Oui, ça, c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Barthélémy. Elle danse bien. Très sympa. Oui, c'est vrai. Mathieu. Oui. Comment la surnommez-vous ? Bah, moi, c'est ma petite reine des neiges, non ? C'est comme ça, Daniel. Votre petite reine des neiges. Mais de quoi vous parlez ? Je ne sais pas. Quelle partie de Mathieu parle autant ? Je ne sais pas, ma petite reine des neiges. Bon. Non, Mathieu. Oui. Non. Mais on se donne c'est tous ma des surnoms, petite reine Jean-Jacques. Des neiges, franchement. Ouais, ouais, moi, ça peut m'arriver, ouais, ma petite reine des neiges. C'est bien. Mon ça. Canard en sucre. Je Mon comme canard ça. En sucre. Bon, en tout cas, avec un ça. Site de rencontre a interrogé près de 8000 amoureux dans 15 pays d'Europe sur les surnoms qu'on se donne. Ah, d'accord, en je comprends mieux. Voilà l'information. C'est ça, ta petite reine des neiges, d'accord. Et on a établi
puis, un classement en France. Le surnom qui arrive en tête, c'est Mon Cœur. Pas très original, oui. Au Royaume-Uni non plus. Moi. Darling, en Irlande, c'est Baby. En Suisse, Mon Trésor. On comprend un peu plus pourquoi. Oui, en Suisse, Mon Petit Lingot. Et puis, il y a plus original. Mon Lingot, Mon Coffre. Mon Coffrinet. Alias. Malias. Ma petite classe garnie. La bourse. Plus original. Plus original. Non, mais franchement, non. Bon, les Finlandais aussi, c'est or. Ah, c'est beau. Oui, et ça se dit coulta là-bas. Cool, c'est miel en Suède. C'est pas miel en Suède, oui. J'aime ma crevette en sucre. C'est... Ma crevette en sucre, oui, ça c'est chez vous, ça. C'est dans les Cévennes. Non, c'est pas nous. On n'a pas de crevette, nous. Non.